Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos, par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. J'ai connu beaucoup d'hommes et de femmes, de diverses catégories. Ils étaient comme des coups, des raclements, des pincements, des coups de maillotche, des raclements de plectres et d'archers. Mon cher vieux papa. 7e jour. Et ma petite maman. La bataille de Verdun continue. De plus en plus. Je pars ce soir pour la petite tournée dont je vous ai parlé. Une petite balade. 8. Celui qui était devant la porte a été tué. Donc pas de mauvais sang. Si je reste quelques jours sans écrire à partir d'aujourd'hui. En plein dedans. Lui a coupé la gorge. Je ne cesserai quand même pas de penser à vous. Saigné. Quant à vous, écrivez-moi toujours. De boucher la porte. Caresse du fiston. Nous avons bien fait. Prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose et heureusement on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile. Ils ont vraiment des têtes de truands, hein. Comme les deux compères dans Les Grands Chemins, un roman de Giono. Oh my darling, oh my darling Clementine, you were lost and gone forever, dreadful sorrow Clementine. In a canyon excavating for a mine, dwelt the miner 49er and his daughter Clementine. Plus isoler le personnage homme, l'ensemencé de simples graines habituelles, mais le montrer tel qu'il est, c'est-à-dire traversé, imbibé, lourd et lumineux des effluves, des influences du chant du monde.